Tu es en vie. Combien de temps cette fois ? 13 jours en isolement. Impressionnant. La force, c'est elle qui me nourrit. La force ? Le côté obscur, mon maître. Viens. Le mentor Jedi de Starkiller a été capturé. Le général Kota. Oui, quand ta formation sera achevée, tu te rendras sur Katon et Moidia pour l'exécuter. Vador pense qu'il t'a converti. Mais je peux voir ton avenir. Vador ne restera pas ton maître éternellement. Tu es toujours hanté par des visions. Oui, maître. Parfois, je sens l'odeur d'une forêt qui brûle. Je vois le général tomber. Le sol se met à trembler. Et un vaisseau s'écrase près de moi. Et j'entends... une voix de femme quand j'essaie de dormir. Ce sont les souvenirs d'un disparu. Un effet secondaire du clonage et des greffes mémorielles que tu as subies. Cela passera. Vous en êtes sûr ? Sinon, tu ne me servirais plus à rien. Les émotions de Starkiller l'ont affaibli. Tu dois détruire ce qu'il a créé. Et apprendre à haïr ce qu'il a aimé. Eh ben salut tout le monde, c'est Whoopidoz, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Play. Allez, ça commence chaud, hein, je vous le dis direct, j'espère que vous m'entendez bien. Donc comme je disais, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur le jeu de Star Wars Le Pouvoir de la Force 2. Qui est un Let's Play dont je ne sais pas si vous avez bien aimé, étant donné que je tourne ça en juillet. En tout cas, une chose est sûre, moi, jouer au 1, ça m'a donné envie de jouer au 2. Allez. Allez, on se tape tout le travail. Tu es resté loyal à Vador. Tu as fait croire à tout le monde que tu l'avais trahi. Il a essayé de vous tuer. D'accord. Alors l'autre, elle nous... Voilà, ça c'est fait. Oh là 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 là. Alors il a plein de visions d'un coup là, ça devient relou. Ouais c'est ça, Juno en fait on peut pas l'avoir. Qu'est-ce que c'est ? Bon alors aussi on peut bien voir qu'il est quand même moins... Alors vous avez débloqué un nouveau défi, ça c'est bon à savoir. Les défis je compte pas les faire en fait. Alors... Non ! Attends ! Juno ! Oui ! Allez, élimine-la ! Je ne peux pas ! Fais-le ! Tu as été créé pour m'obéir. Sans scrupule, c'est ça le côté obscur. Oui, c'est bien ce que je craignais. Mais qu'est-ce qui m'arrive au juste ? Le processus de clonage accéléré est encore imparfait. Ceux qui t'ont précédé ont perdu la raison en quelques mois. Je pensais avoir réussi avec toi. Mais j'ai peur que tu ne subisses le même sort. Qu'allez-vous faire de moi ? Ah bah ouais. Ah putain. En plus vous avez le jeu en HD là. Alors là le passage il va être jouissif, hein, je vous le dis direct.
Attention, passage jouissif. Hop. Et on est parti. Oula, par contre, attendez, il faut que je... Attendez, il y a un problème. Je comprends pas comment je dois me... Je comprends pas comment je dois me diriger, en fait. Alors là, mais je m'en prends plein mon cul. Waouh. Incroyable, comment ai-je réussi à atterrir en mode badass? Oh, je m'en suis pris plein la gueule là. Heureusement que je suis en passé que je fais ça pour l'histoire parce que... D'accord. Alors attendez, je comprends pas ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Alors la caméra a quelque chose les gens. C'est génial. Alors vous vous en rendez sûrement pas compte. Moi pour le coup je m'en rends bien compte. Alors. Attendez, faut que je comprenne ce qui se passe en fait. Ah, attendez, il faut que je comprenne. Ouais, mais s'il y a des plans caméra qui changent, ça va pas le faire. Ne vous approchez pas de moi. Non, mais moi, c'est pas ça que je veux faire, moi. C'est... Arrêtez de verrouiller en permanence. Parce que je crois que je verrouille, c'est ça le problème. Alors attendez, on va faire quelque chose. Parce que là j'ai l'impression que le son est un peu fort comparé au jeu. Alors, non, audio, voilà. Alors volume voix, c'est bon. Volume musique, alors le volume musique on va le baisser. Bah quand même pas, on va le mettre ici. Tu dois être fou pour m'affronter seul. Voilà, ça termine, ça ira je pense. Alors maintenant reste à savoir... Ce qui fait... Non, moi, c'est pas l'écran. Non, merci. Alors... Configuration des touches. Menu, verrouillage. Ah ouais, j'ai appuyé sur tab. Je crois que c'est ça. Ouais, bah en fait, c'est bon. C'est désactivé tout seul. D'accord, je comprends mieux pourquoi j'avais tout ce bordel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Ah ouais, mais... Ah, c'est plus simple. Hop, on est parti. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Appuyez sur E pour la projection de force. Voilà, ça, c'est fait. Bon, c'est ça. J'aurais peut-être dû le mettre en normal, finalement. Ah, d'accord. Ah oui, ça, c'est comme le 1, ça. Alors on peut voir que les graphismes sont quand même améliorés, mais par contre je suis pas fan du mec qu'ils ont pris pour faire la motion capture de l'apprenti. Hein. C'est pas du tout la même émotion niveau faciès. Bon après en même temps vous me direz, lui là, maintenant on le joue au stade de Jedi, c'est ça le problème, c'est l'histoire de ce jeu pour Starkiller, elle est à chier malheureusement. Moi je le joue parce qu'il y a des caméos sympas dedans en fait, et le gameplay, bon bah... Il est pas pourri non plus, parce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, il y a des choses qui ont été enlevées, notamment là on a deux sabres, c'est quand même plus classe. Et pour finir aussi... Bon alors là on le jette. Et pour finir on aura aussi le pouvoir de les manipuler. Donc j'entends par là... Ok, bon, super. Donc j'entends par là qu'on aura le pouvoir de manipuler des ennemis. Chose utile. Chose utile étant donné que bah c'est comme si on aura des alliés quoi, étant donné qu'on a aussi des sites à affronter, chose qui est vraiment classe. Alors on va pas s'en prendre. Ok, alors
qu'on s'en prend plein la face. Alors, par contre, le jeu, ce que je comprends pas, c'est que le jeu, apparemment, il a été torché à la va-vite. Pourtant, dans mes souvenirs, j'attendais énormément ce jeu et il a mis du temps à arriver. Mais bon, cette suite-là, elle est quand même moins bien, quoi. Hein, je vais pas vous mentir. Alors, ça c'est fait. Ah d'accord. Oh putain, c'est gore. Ah, on les démembre et tout. Ça, j'avais pas fait gaffe aux détails. Alors lui, on le jette. Ouais, voilà, c'est bon. C'est la fin pour eux. On avance. On envoie. Ah ouais, putain, c'est vrai, il nous attaque. Il y a eu un holocron, je vais le prendre, ne vous inquiétez pas. Enfin, si on m'en laisse l'opportunité. Bon, lui, je vais pas me faire chier, hop. Voilà. Ah, je vous le dis, je me fais pas chier. Alors. Putain, lui, j'ai fait pas accès à l'autre bout du monde. Ah. Voilà. Donc trêve de conneries, alors c'est quoi là-bas? Avec un peu de chance pour augmenter la vie. Mais... Oh non! Bon ça c'est le genre de truc... Ça aussi je comprends pas. Oh sérieux, je vais reprendre là? Bon c'est pas grave. Ouais, moi je vous le dis, je me bouge le cul et on refait tout ce bordel. Là, est-ce que ça m'est pensé dans ce jeu? Il me semble. Ah non, même pas. Il me semblait qu'il y avait des améliorations de jeu. Pas du tout. Parce que là, je... Bon, avec un peu de chance, c'est justement parce qu'il n'y a pas le système de merde de passer par le menu tout le temps. C'est vraiment un truc, ça, d'ailleurs, qu'il faut aborder. Les gens... Il faut qu'ils... Les développeurs de jeux vidéo, de ces 20 dernières années... Enfin, ces 10 dernières années plutôt, hein, parce que ça date de la PS3, ce truc. Il faut qu'ils arrêtent, à tout prix, hein, ce système bidon de passer par le menu pour améliorer des trucs, pour acheter de nouvelles compétences. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment barrer. Ça, c'est vraiment des détails, mais... Je veux dire, faites-nous des beat'em all, enfin... Non, c'est pas des beat'em all, enfin... Des jeux à la 16 bits, quoi, où le truc, c'est plus tu avances dans le jeu, plus tu débloqueras de trucs, parce que là, c'est... Enfin, je veux dire, c'est chiant, quoi, de passer par le menu pour avoir de nouveaux trucs. Ça casse le rythme du jeu, c'est horrible. Et même les améliorations, hein. Là, d'ailleurs, tu vois, pour Star Wars, le fait qu'on s'entraîne de plus en plus à utiliser la force, pour moi, ce serait en plus d'autant plus logique de faire ça, quoi. Putain, alors là, j'ai calmé le truc. Oh non! Ok, très bien. Ok. Ce fut rapide. Alors là, il y a quoi? Qu'on rigole un peu. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que je mourrais. Projeter des objets contre les terminaux et désactiver le champ de force. À vos ordres, mon camarade. Hop. Et très bien. Et toi? Alors. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. On va attendre. Putain, et voilà, ça c'est des systèmes que j'aime pas du tout. Alors, enfermons.